Si on aime le foot, c'est pour vivre passionnément ce genre de moment, se laisser emporter par nos émotions. Rendez-vous dans un instant. Laquelle de ces deux équipes va s'imposer? La réponse dans quelques secondes. Quelle soirée incroyable en perspective. Nous sommes à Marseille, à l'Orange Vélodrome. Vous pouvez compter sur l'amitié franco-argentine pour vous faire vivre ce match comme si vous étiez avec nous, avec une rencontre qui nous promet un match de haute qualité, la France contre la République d'Irlande. Ce que nous aimons dans le football, c'est l'expectative, l'imprévu, c'est cette attente qui nous chatouille. Voici les titulaires pour l'équipe de France. Michael Olise. Une possibilité là pour centrer. Oui, c'est bien fait, c'est bien défendu. Voilà la composition officielle de cette équipe. Le ballon progresse bien sur cette offensive. En très bonne position. Long ballon aérien et du coup la défense écarte le danger. Et voilà, c'est un profil incontournable dans cette équipe. On s'attend à une bonne prestation de sa part. Sa spécialité, les frappes super puissantes depuis le fond du jardin. Cette capacité à téléguider le ballon, à régler sa frappe jusqu'à atteindre la cage adverse. C'est assez incroyable et terriblement dangereux. Et l'arbitre assistant a levé son drapeau, hors jeu. Matteo Guendouzi. L'orienté. Et que va faire Fekir là? Et le bon centre là peut-être. Et le ballon passe loin sur cette tête. Tout le monde est abattu. Regardez le visage du coach. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Et là, il prend le dessus sur l'adversaire direct. Et ça joue sur Guendouzi. Ah, c'est bien lui, sa bonne interception. Ah, c'est une bonne séquence de passes dans le camp adverse. Ouais, superbe défense. Ballon dans la surface. Tête complètement ratée, ça passe loin du cadre.
Lucas Hernandez. Matteo Guendouzi. Avec un peu d'espace sur les côtés. Oh, il y a une bonne occasion là. Goal, 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 goal. Et ça y est, ce match est débloqué. Et ça promet pour la suite. Maintenant c'est bon. Tu prends le but, tu l'amènes au magasin et tu l'encadres. La précision, la finesse, l'intelligence, il y a tout dans ce but. Après toute la tension accumulée, c'est un but qui vaut très cher. Il le sait, le coach. Regardez sa réaction. Quelle image! Allez, il faut l'aider, il faut lui proposer des solutions là. Ah, l'action était bien partie et finalement, c'est perdu. Bacham. Mikael Olise. Et voilà, un ballon en pleine surface de réparation. Boum, le ballon est dégagé là. Fekir. Et le ballon est finalement intercepté. Ah, bonne protection du ballon avec son corps. Ah, l'équipe essaye de construire sans se précipiter pour combler le but de retard. Ah, attention, le ballon leur échappe. Évidemment que l'arbitre a vu la faute, c'est donc un coup franc. Bien joué, bien présent à la tombée. La frappe, ça tape la barre et ça revient. Ah, le danger est écarté. Ah, bonne couverture de balle pour conserver la possession. Voilà, ça sera une petite minute de temps additionnel minimum. Et ça y est, c'est le coup de sifflet donc pour la mi-temps à l'Orange Vélodrome. Et c'est parti le coup d'envoi de la deuxième mi-temps donné par les Français. Fekir. Et maintenant tu rames. Guendouzi avec le ballon. Oh oui, c'est bien joué. Attention la frappe. Repoussé ce ballon par le gardien. Le corner. L'attaque n'ira pas plus loin. Ballon perdu. Ouais, la récupération très haut sur le terrain. Oh, le tir. Bon arrêt, mais ce n'est pas fini.
Oh oui, le but! En deux temps, la défense s'est laissée surprendre. On le revoit, ce but, c'est vraiment dommage, hein, parce que ça arrive juste après une très bonne parade, mais finalement le ballon est repris et ça n'aurait servi à rien du tout. On sent le coach très satisfait par ce qu'il voit et on le comprend. Et avec ce but, ça fait donc 2 à 0 maintenant. Allez, il faut l'aider, lui proposer des solutions. Pas de faute, c'est bien défendu. Le ballon pour Nabil Fekir. Avec Ndouzi. Très bon geste défensif. C'était risqué. Et voilà, une bonne option de contre-attaque. Et voilà, il protège bien son ballon. Une lutte à la récupération. Le duel est remporté dans le camp adverse. Et oui, c'est un coup franc après cette faute. Et un changement donc. Remplacé par le numéro 28, Adrien Rabiot. L'orienté. L'attaque se poursuit, balle au pied. Il faut centrer là-dessus. Et un arrêt qui fait du bien. Changement pour la France. Le jeu est interrompu pour un remplacement. Le numéro 25. Dans la surface. Ouais, c'est mal tiré le corner et c'est tranquillement capté par le gardien. On voit avec ces chiffres, il y a un esprit réaliste dans cette équipe. Les occasions de but sont créées, les buts s'enchaînent, c'est ce qu'il faut faire. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Oui, bien joué, le bon mouvement là. Et attention à ce ballon donné dans la profondeur. Il faut bien exploiter ce ballon. C'est l'équipe de faire retrait. Ouais, bien défendu, sans faute. Il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Une bonne contre-attaque qui aurait mérité un bien meilleur sort. C'est vraiment dommage. Oui, le long ballon. Il y avait de l'idée dans cette attaque, mais le ballon est perdu. Plus que 10 minutes à jouer seulement dans cette partie.
Oui, la belle incursion là. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Tchouaméni. Bacham. Très bonne couverture du ballon. Oui, sans faute. Nous jouerons donc une minute de temps additionnel. Et voilà, on en reste là. C'est terminé dans cette rencontre. Et donc, l'équipe de France s'impose. On vient d'assister à un match quasiment parfait de leur part. À aucun moment, on les a sentis véritablement en danger. Quel match, quelle partie d'assaut nous attend. Ça fait déjà un moment que tout le monde en parle. On est content d'y être enfin. On se retrouve tout de suite pour le coup d'envoi. Qui va sortir gagnant de ce choc? On va voir ça tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous, une nuit très douce ici et des conditions de jeu optimales. Ça donne presque envie d'aller mettre les crampons pour vous servir, pour vous faire vivre ce match. Le duo Omar Da Fonseca, Benjamin Da Silva, ça va être un plaisir de suivre cette rencontre. La Nouvelle-Zélande affronte la France. C'est toujours une immense curiosité, un immense plaisir pour moi avant un match. C'est comme une page blanche à remplir ensemble. Et on va regarder la composition de cette formation. Voici les titulaires pour l'équipe de France. Thomas Lemar sera épaulé par Adrien Rabiot au milieu de terrain. Et pour finir donc, une seule pointe en attaque. Nabil Fekir. Passé en direction de Saliba. Bacham. Fekir. Et c'est vers Nabil Fekir. Dembélé. Il dépose l'adversaire là, et pourquoi pas ici. Et voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Déjà le premier but, quelques minutes de jeu, c'est beau et c'est bon. La pression était redoutable, épaisse, difficile, mais le talon était léger, la balle est libérée, golazo. Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie donc. Le ballon finit dans leurs pieds. Bacham. Hey, il y a hors-jeu, évidemment.
Voilà, c'est intercepté. Le ballon perdu par l'équipe de France. Allez, construction en redoublant les passes et sans aucune précipitation pour revenir au score. Ah, ballon rendu à l'adversaire. Ah, excellente couverture de balle pour résister à la pression. Ah, ça peut être dangereux s'il perd le ballon là. Et l'équipe récupère le ballon. Bacham. Konaté. Et c'est vers Nabil Fekir. Et le ballon est finalement intercepté. Et le corps bien placé en opposition. Truffert. Très bonne couverture de balle. Pressing haut sur le terrain. Ouais, bonne intervention. Le ballon récupéré dans le camp adverse. Bacham. Ouais, bien fait la différence qui est faite là-dessus. Oh, il s'est bien servi. Énorme occasion manquée. Et donc les adversaires restent à une petite longueur derrière. Cette action aurait pu les mettre à l'abri. Attention au regret en fin de match. Ah, l'équipe essaye de construire sans se précipiter pour combler le but de retard. Ah, ballon intercepté, ça change de camp. On arrive au terme de cette première mi-temps et il y a cette petite avance à sécuriser pour l'équipe en déplacement. C'est plutôt un bon match pour l'instant. Même si la situation est très serrée, la priorité c'est de maintenir ce but d'écart avant d'aller au vestiaire. Ouverture du ballon. Une possibilité là pour centrer. Et duel remporté en défense. Belle anticipation. Et le panneau indique le temps additionnel. Une petite minute. Truffert. Bacham. Thomas Lemar hérite du ballon. Et voilà donc l'arbitre qui vient de siffler la mi-temps.
Le temps de prendre quelques consignes, de changer de côté. Voilà le début de la seconde période. Voilà, la patience, la construction de l'attaque pour aller chercher l'égalisation. Ce ballon est intercepté. Rabiot. Passé en direction de Saliba. Bacham. Ouais, c'est une transmission interceptée. Ah, il y a du monde là, quelques possibilités. Ouais, super geste défensif sans commettre de faute. Ah, il y a une bonne transition en attaque à négocier. La contre-attaque fait mal à la défense. Et finalement, cette transition offensive se termine dans les pieds de l'adversaire. Occasion manquée. Ah, la perte de balle de Dembélé. Truffert. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Bacham. Ouais, c'est bien vu cette passe. La passe vers Adrien Truffert. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Concentré là-dessus. Excellent timing sur cette interception. Allez, contre-attaque là, peut-être, on va voir. Allez, il y a de la place sur ce côté. Et ça joue sur Ousmane Dembélé. Allez, le centre est donné en retrait, bien joué. Très bonne intervention, le doublé n'est pas pour tout de suite. Le gardien qui cette fois-ci s'impose. La souplesse prime sur l'arrêt d'or, toujours. Allez, bien frappé ce corner. Long ballon aérien et du coup la défense écarte le danger. En bonne position pour tirer au but. Goal, 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 goal. Et oui, sur cette très belle reprise de volée, l'équilibre est parfait. C'est imparable. On revoit les images de ce but. Le dégagement est raté. La défense n'arrive pas à ressortir le ballon. Un moment, si tu ne sais pas, mets un pointu, tu fais quelque chose. Ne reste pas comme ça à attendre. On sent le coach très satisfait par ce qu'il voit et on le comprend. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Les stats nous montrent que la possession n'est pas pour les Bleus. Mais on voit très bien comment tu peux contrôler l'espace. Pas besoin de la possession pour maîtriser le match.
Attention à cette bonne passe. Il y a du monde en soutien. Bonne progression dans le camp adverse. Oh, c'est compliqué là pour Konaté. Ah non, ballon perdu par Konaté. Bon, ballon en retrait. Ah, la prise d'information pour amorcer une attaque. Oh là 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 ! Voilà ce but tardif, mais il permet d'y croire. C'est pas fini ! Si près du but, le bon geste au bon moment. L'art du but, c'est l'art de l'économie du geste. Jamais plus, jamais moins. L'efficacité, quoi ? Et avec ce but, le score est maintenant de 2-1. Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé sur le côté, il a de l'espace. La défense renvoie et se donne un petit peu d'air. 5 minutes à jouer encore dans ce match. Et juste un petit but qui sépare ces deux équipes. Ah, le ballon est perdu sur l'intervention. Truffert. Et l'équipe de France qui progresse. Avantage, l'arbitre laisse jouer. Et nous jouerons donc 2 minutes supplémentaires minimum. Et on lève la tête là, peut-être un centre. Et voilà le coup de sifflet final dans cette rencontre. Et c'est une victoire pour l'équipe de France. Et oui, une victoire après un match très serré. Ça traduit toute l'intensité émotionnelle de ce match. We'll be right back.